tu vas de l'autre côté. Le prometteur. Ouais. Le 22 février. Ouais. Le dîner du peuple algérien a rendu sa dignité à l'Algérie et à la peuple. Depuis le 22 février, le régime est tombé. Les vieux, les femmes, les hommes, les enfants, nous allons main dans la main, dans l'union, de l'est à l'ouest, du nord au sud, libérer le peuple algérien des griffes de cette. Unissons-nous, main dans la main, unissons-nous jusqu'à la chute du régime, unissons-nous pour le changement du système. Nous demandons tout de suite, comme mesure d'urgence, la libération de tous les détenus politiques. Nous demandons à ce que Bouteflika tout de suite déclare qu'au 28 au soir, il prend sa valise et ses couches et il rentre chez lui. Nous demandons aussi à ce que tous les cops et tous les transferts d'argent soient arrêtés. À ce que le pays ne soit pas dilapidé. Nous lançons un appel aux douanes. Nous lançons un appel aux responsables de banque. Nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation. Que le régime arrête de dilapider le pays. Depuis une semaine, 300 millions d'euros sont transférés à l'étranger. On va vous dire une chose. L'argent du peuple va revenir au peuple. Exact. L'argent du peuple va revenir au peuple. C'est ça. L'argent du peuple. Les 500 milliards de dollars que vous avez volés, vous allez les restituer. Vous allez les restituer. Jusqu'au dernier centime. Voilà. L'article 1 du référendum populaire du 22 février va être appliqué. Rien n'est le Watan. Traître à la nation, traître au peuple, traître à l'histoire, traître à l'avenir de nos enfants, traître à la mémoire. Vous allez rentrer dans la poubelle de l'histoire. Dans la poubelle de l'histoire. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, le peuple n'a rien à prouver. Le peuple leur a donné des leçons de maturité, des leçons d'organisation, des leçons de joie. Et le sourire a changé de camp. Le sourire a changé de camp. Leur arrogance, c'est le responsable, le régime, les ministres et autres qui souriaient. Aujourd'hui, c'est le peuple qui sourit. Donc, luttons, souriant, dansant, chantant dans la joie et la bonne humeur. Et luttons jusqu'au départ du régime. Donc, les mesures d'urgence. Ensuite, à un certain moment, d'autres questions vont se poser. À savoir, quelle transition pour... Salut mon ami, pour quel pays? La transition, elle est simple. C'est la transition du peuple pour le peuple, la légitimité du peuple. Mais avant de passer à la transition, il faut une charte éthique. Que ceux qui vont gérer la transition ne vont pas recevoir de salaire, ne vont pas avoir un conflit d'intérêts. La deuxième des choses, est-ce que le principe de l'alternance et de la légitimité populaire soit respecté?
Ensuite, des principes directeurs. Principe directeur 1, le rôle de la jeunesse au nom de la liberté. Définir le rôle de la femme au nom de l'égalité. Aussi, quelle place accordons-nous aux couches populaires au nom de la justice sociale? Mais aussi, quelle place accordons-nous à la diversité au nom du vivre ensemble? Ce sont des questions qui doivent être débattues sereinement. Et puis, des juristes, des hommes de métier vont être élus pour aller vers un processus constituant, définir une nouvelle constitution qui va être la traduction des aspirations du peuple. Peuple, ils vont essayer de nous diviser. Ils vont essayer de nous diviser. Restons unis. Il faut essayer de nous décourager. Non. On fléchit pas. On ne fatigue pas. On ne revient pas en arrière. On va continuer. On lâche rien. Jusqu'au départ du récit. En effet, on a trompé. Vous êtes en gâteau. Vous allez pas. Mes frères, mes sœurs, restons unis. Et aussi, s'il y a dans la non-violence, dans le respect de l'homme, à s'il y a, il y a quelque chose dans s'il y a. Il y a la non-violence. Il y a dans s'il y a, il y a la non-violence. Il y a l'amour du prochain et du lointain. Il y a l'amour de la patrie. Il y a la légitimité populaire. Il y a la fraternité. Il y a l'union. Ce qu'il y a dans Sylvia. Donc, restons unis. La même problématique était pour l'instruction. Pour l'instruction et pour le labeur. Les colons sont partis, l'instruction était assurée par le peuple et le labeur était assuré pour le peuple. Donc, la chute du régime est proche. La chute du régime est proche. La chute du régime est proche. Restons proches.